Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Et regardez donc, je pense que vous l'aurez déjà remarqué tout en haut à droite de l'écran, j'ai terminé la production des phases 2. Bon apparemment j'en ai... Vraiment j'ai peut-être un petit peu fait trop de structures polyvalentes. C'est une possibilité. Il me semble qu'il me reste encore pas mal de ressources en plus. Il me reste beaucoup de cadres modulaires, peut-être un peu moins en... Si, bon. Beaucoup de poutres en acier. Et j'en ai profité bah, pour... là, pour, les... bah, pour ceux qui ont encore l'œil plus vif, on va dire. Vous voyez, là, je suis en train de changer. Je suis en train de tout mettre en... Je suis en train de tout bétonner plutôt que mettre des plaques en plaques de fer là au niveau des structures, donc on verra un peu, enfin je le fais ça de temps en temps quand j'ai quelques minutes que je ne sais pas trop quoi faire, voilà, quand j'ai envie de chill, d'abandonner mon cerveau. Voilà. Donc on va envoyer, je sais pas du tout où c'est, on va envoyer le nécessaire à la phase 2, voilà c'est là. Donc c'est très bien, on a tout mis, fermé. Tout ça. Et on va... Attends, ça ferme bien, attention. Welcome to the Project Assembly Pioneer Progress Presentation. Congratulations, the Phase 2 Project Part Shipment is now ready for delivery. Oh, on delivery, phase 2 will be completed and the construction dock will be constructed. After completion of phase 2, the technologies of tiers 5 and 6 will become available in the hub. These might feel intimidating after your previous experience, but rest assured that you would not be here if you were entirely incompetent. Highlights are oil production, railway transportation, the jetpack, and many more. Completing phase 3 of project assembly is your next main objective. Just remember to focus on producing and delivering the project parts, and fix its faith in you will be strengthened. Bon, le bon point. Pardon. Le bon point, c'est qu'il me semble avoir vu que pour terminer la phase 3, il faut des structures polyvalentes. C'est génial, vu que j'en ai en trop. On va envoyer ça. Allez, on va voir s'agrandir, peut-être là. Ah, j'ai plus le nom. C'est pas le satellite géospatial, c'est la base géospatiale géostationnaire, je sais pas trop. Phase 2 of project assembly completed. You have been performing more adequately under pressure and are closer than ever to saving the day. Perhaps you were the right choice for the job. Time will tell. You will now enter phase 3 of project assembly. Continue as you are, and there should be no issue. For humanity, for fix it. Ah, ça grandit, hein. Ah, ça tourne. En plus. Ah, c'est ça, c'est une sorte de base en orbite géostationnaire. Alors je fais genre le mec qui s'y connaît, mais c'est tout con, hein. Orbite, bon, ça vous savez ce que ça veut dire. Base aussi, géo, stationnaire, c'est juste que par rapport à une position sur la planète, ça restera toujours au-dessus du même endroit. Admettons, je sais pas, vous avez... Bah c'est un peu le principe, je crois, des satellites, certains qu'ils utilisent peut-être pour les GPS et trucs comme ça. Je me demande s'il n'y a pas un délire du genre. Bref, palier 5, palier 6 débloqué, magnifique, this is wonderful, le réacteur dorsal. Effectivement, je peux faire des réacteurs dorsaux. Mais je n'ai pas de pétrole. Par contre, emplacement d'inventaire, plus 3, ça c'est intéressant. Alors, on va faire un truc à l'ancienne, les gars. C'est que là, je vous le voyais pas. Mais je vais utiliser un truc qui s'appelle le bloc-notes. application sur... Enfin, application non... logiciel
très, très peu répandu sur, sur votre PC. Et simplement, je vais noter quand même faut des différents, différents composants. Donc, câble, il m'en faut 1000. Et c'est quoi déjà ça? Comment ça s'appelle? J'ai plus le nom. Plaque de fer. Ce que je me dis, tant qu'à aller chercher plein de trucs, autant aller tout chercher d'un coup quoi. Plus 50. Ça, ça va, c'est pas des masses. Hein. Poutre en béton armé. On va tout aller chercher. D'ailleurs, je pense que je vais débloquer celui-là en premier. Quoique. Si, attends, un pétrole. Ah oui, mais c'est vrai que le pétrole, je crois qu'il est à des endroits où. Il y a. Beaucoup de mobs. Tuyau en acier, donc 500. Tôle de cuivre, 500. Logistique MK4, ça c'est bien aussi. Avec caoutchouc. 200, il va pas leur poutre en béton, mais on ajoute 300. Cadre modulaire. 400. Ah oui, bon. Plastique 200, poutre en acier. 400. J'en avais pas déjà des poutres en acier? Non? Ok. Et tôle de cuivre, plus 1000. Et ça, ah ouais, attends, quoi? Oui, ça, il va me le falloir. Générateur au carburant, oh oui, tout ça, il va me le falloir bien. Ah, il faut d'abord que je fasse du plastique et du caoutchouc pour me le débloquer, ça. Ah, c'est chiant. Bon, plus 100, poutre en béton armé, plus 100. Caoutchouc et plastique, plus 200. Bon! Eh ben on va aller chercher tout ça. D'abord, oui. Ici. L'analyse du disque dur est terminée. C'est vraiment de la merde. Hein. Tuyau en acier moulé. Ah, peut-être pas tant que ça en fait. Parce que le béton. C'est moins chiant à produire que de l'acier. Tuyau en acier moulé. Attends. 3 donne 2. Et là, 5 donne 5. Ouais, donc effectivement, ça me fait économiser un pouilla de. Un pouilla de. D'acide. De lingots d'acier. Hop, ça aussi. Donc les, le broyeur. J'ai fait broyer beaucoup de choses, je pense. On va voir. 79 tickets. J'ai vraiment beaucoup broyé de choses. Bah. Je sais pas comment il a dû passer une quinzaine d'heures en fait en, pour la fabrication du, bah, de, des objectifs de la phase 3 en fait. Donc clairement j'en ai profité. Ouais allez. Allez deux. Ça on s'en fout pour l'instant. En acier ? Ouais. On verra. 4, 10. Mur. Ah, on va peut-être débloquer ça. Hein. 12, 15. 17, 21, 26. Ça aussi, ça peut être intéressant. J'en étais à. 26, 28, 29. 32. 34. 44, oh la vache, c'est cher ça. 48, 50, 52, 54, 58, j'en ai combien? 79, 58, 58, 64, 74, ça va très vite. Hein. Ça va très très vite. 77. Ça, je peux pas débloquer. Hein. Bon, ça, on s'en fout. Bon, déjà.
Et est-ce qu'il y a un truc à deux que je peux débloquer? Qui a une certaine utilité quand même. Faire ça, goudronné, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut. Bon. Alors, ça a dû me... Ouais, déjà. Ok, ok. En vert, ouais, d'accord, il me faut ça. C'est bien, ça rajoute des choses disponibles pour de la déco, si jamais. Je suis pas fan de déco. Je suis plus back-end que front-end. Toi, goudronné, là, je voulais trouver ça, où est-ce qu'il est? Escalier. Ah, stylé. Oh, par contre, là... Par contre, c'est très pixelisé. Hein. Bref. Ok, tout ça. Moi, je l'avais débloqué la dernière fois, ça, en plus, hein, non? Mais attends, par contre, c'est un délire. Toi, goudronné, il est où? On va partir sur du goudronné pour ça, apparemment. C'est l'équivalent du bétonné, en fait. Mur en béton, voilà, mur en béton, oui, bah, forcément, il faut que, voilà, sinon il va manquer qu'il n'ait. Pour préparer les polymères. Hop, béton. Et béton. Tac, tac, tac. La porte automatique. Change pas, c'est béton ou béton. Voyons voir, ok, tout est en béton, et là, il n'y avait qu'un seul truc. Goudronné. Ok. Allez, on va chercher le nécessaire pour... J'aurais peut-être dû le faire d'ailleurs, c'est pas... Pour... pour les recherches, je sais plus comment ça s'appelle. Donc on va commencer par les moteurs. On va commencer par... Ouais, alors le demi-tour comme ça, désolé. Peut-être par vider mon inventaire avant. Ça me demandait quand même un paquet de choses. Et pourquoi pas, tiens, vérifier si j'ai pas déjà les moteurs et les câbles et les trucs comme ça, parce que si j'ai 50 moteurs, j'ai moyen de lancer la recherche de suite. Bon, ça, à voir si je les ai, les 50 moteurs. Alors, 600, il doit être quelque part par là, s'il y en est. C'est pas de peau. Bon. Hop, on va trier tout ça, et bon bah c'est parti. Allons chercher nos magnifiques moteurs. On fera des tuyaux et tout, ouais, il me fera beaucoup de choses encore. Les moteurs j'en ai utilisé, alors je sais pas... Je sais pas combien j'en ai déjà reproduit, mais c'est vrai que j'avais vidé tout ce qui était moteur, stator et rotor. J'avais tout envoyé bah, dans la broyeuse. Pareil pour les poutres en béton armé. Ça, c'est pas très grave. Ça, j'en utilise pas encore beaucoup. Ça viendra avec le MK4 en vrai. Et surtout que... Là, quand je vais faire les comment ça s'appelle ah, voilà les technologies pétrole. Putain, j'ai galéré. Hein. Oh. Ah bah du coup, je sais même plus ce que je voulais dire. J'ai tellement réfléchi pour trouver ça. Ah oui, si voilà, il me faudra du MK4 pour ça, pour optimiser ce que je veux faire un max de prod en fait. Hein. Pétrole, ça sera ma production d'électricité plus ou moins finale. Enfin, je suis jamais arrivé en fait à l'uranium. On verra ce que ça donne. Hein. Tiens, est-ce que j'ai du moteur? Non, j'ai rien. Parce que autant vider des choses que j'ai là, parce que je vois que j'en ai 2,5 tonnes là de merde.
pas de moteur, pas de bol. Donc 100, 200 moteurs. Allez hop, c'est ici. Donc c'est pas encore rempli. 2, 3, 4, allez, on a 200 moteurs. Faut un millier de câbles, rien que ça. Oh. Est-ce que j'ai du millier de câbles ici par hasard? On a 200, ça sera toujours ça de prix. Ok, plaque de fer. 1000. C'est vrai que il me semble que j'en avais pris un paquet, les plaques de fer. Parce que j'en avais manqué, et je voulais plus en manquer un truc comme ça. Tiens, 200 ici. Ok, plaque de fer. Bon, j'en aurais pas assez, mais c'est toujours ça. Poutre en béton, hein, mais tiens. Il m'en faut combien? 3, 4, 5. 500. Bon. Tuyau en acier. Combien il m'en faut? 500. Bon, on va prendre tout. Tôle de cuivre. Combien il m'en faut? 1500, ah ouais. Ah oui, ouais, c'est beaucoup là. Là j'ai pas. Non mais la caoutchouc, ça j'ai pas. Cadre mo... Cadre... Car... Pourquoi j'écris car? Car... Mod... Cadre modulaire. 400, ah oui quand même. Ah oh bah c'est bon. Waouh. Alors, on va se calmer. 2. 4. Et 400 poutres en acier, je crois que j'en ai eu très... Bah voilà, tiens, impeccable de la poutre en acier. Et là, ce qui va nous manquer, ça va être du câble de plaque de... Câble, plaque de fer. Poutre en béton armé, mais poutre en béton armé, je... J'en ai 2 tonnes là qui m'attendent. En fait, c'est vraiment que la tôle de cuivre que j'ai pas encore. Ou que j'ai pas à la base, plutôt. Ouais, on va dire ça comme ça. La tôle de cuivre que j'ai pas à la base, donc que je vais aller chercher. Et ensuite, ben, pendant que la recherche se fera, on fera le chemin vers les gisements de pétrole. Parce que là, actuellement, en fait, si je ne me trompe pas, il sera par là-bas. Là, quand on va descendre, en fait, on va descendre au-dessus d'un lac. Je sais pas si je peux voir la map. Ouais, voilà. Là on a le lac, et en fait si je me trompe pas c'est là-bas, c'est au bout de ce lac ou de ce truc là. C'est par là. Ça voudrait bien se déflouter un peu, non? Allez, tôle de cuivre. Combien que j'en ai dit? 2005. J'en ai 5, 2, 3, 4, 5. Hop, c'est bon, non, moi j'ai mis 5, là j'ai pris 500. Là. J'ai pris 1000. 10, 8, 10, 12, 14, 15. Oui, c'est bon. C'est pas roi là-bas, ouais, mais c'est pas roi du tout. Donc il va me falloir du câble et des plaques de fer. Bon, c'est pas ce qui va manquer, je pense. Plaques de fer, je dois en avoir dans le bordel. Privilégié d'en faire sortir du bordel là. Oh. Oui. Donc. Paf, paf, paf. Ok. On va remettre des plaques de fer.
Ah, c'est complet. Câble. Oh, bah, tout ce qu'il faut. Moi, j'avais même ce qu'il fallait en tôle de cuivre. C'est pas très grave. Hop, donc c'est 5 minutes, ça va. Milestone reached. Fixit has granted you the power of flight, provided you have a jetpack and the appropriate fuels. The jetpack refuels automatically while you are standing on the surface, and different fuel types will affect the jetpack's functionality. With this increased versatility, you will no doubt achieve efficiency levels previously unheard of. Très bien. Donc, voilà, ça y est, c'est chargé ça. Donc en gros, nous on a notre, vous savez, la plateforme montante là, pour aller vers le charbon il est là, et nous ça fait tac. Et il me semble que le pétrole il est là. Si je dis pas de bêtises, à moins qu'il soit là. Non. Non, il est beaucoup plus proche. Ah bah si. Parce que quand je me barrais, j'allais là. Non, là je descends là, tac. Non, il est par là, hein. Ma question c'est, est-ce que je fais un chemin qui va directement par là? Là on est où? Là on est là. Je pourrais faire un chemin qui va par là, franchement. Pourquoi je m'enquiquinerais? On verra plus tard hein, pour le faire un beau chemin. Ça me paraît bizarre quand même. Je suis à peu près sûr que c'est par là. Ça doit être plus loin par là-bas en fait. Hein. C'est peut-être vraiment plus loin, c'est peut-être vraiment... Ah, je sais plus. Ah, j'ai le doute d'un coup là. Là, je crois par mémoire qu'il y a du soufre. Voilà. Et là, il y a un truc. Et alors, ce serait là, ce serait où? Je sais plus. Je ne sais plus du tout là. Bon. On va faire ça autrement. On va attendre d'avoir la détection de gisement de pétrole. Parce que là j'ai des choses à... Plus que ça. Hein. Pas très intéressant tout ça. Allez hop, putain, ça dégage. On va voir déjà. Faire mon réacteur dorsal, même si j'ai pas encore de pétrole. Là, il me faut du carburant. Il me faut du fil électrique. Bon, bah faisons du fil électrique. Ah oui, mais non. J'aurais dû prendre plus de moteur. Parce que là, si j'utilise les moteurs, j'ai plus de... Oh mince. Ouais, j'aurais dû prendre des moteurs. Pas grave. Ouais, on va prendre ça. À mon avis, là, je dois avoir un truc... Scan, ressources scannables, c'est ça. Bah alors, ah, oui. Poutre en béton... Ok. On va chercher la poutre en béton armé qui est par là, je crois. Ouais. Oui, il m'en faut. 100. Oui. C'est largement bon. Là, ce qui est bien, c'est que... Mes structures modulables, elles sont encore en production là. Ça tourne. J'aime bien. Hop, tiens, j'entends un bruit là. Voilà. Vache, la vitesse du machin. Oh, les G que tu dois te prendre là sur un truc comme ça là. Oh là là.
tu me diras, il y a peut-être personne dedans, donc peut-être là où je me dis que bon, tu peux prendre des jets, quoi. Ok, bienvenue, bah tu peux repartir. Voilà. Milestone reached. Crude oil can now be extracted and refined to produce various industrially beneficial parts. The byproducts of these processes will require careful management, but a capable pioneer such as yourself surely understands that. To improve efficiency, pipelines can now be optimized with valves to limit and balance their throughput. C'est pas mal, ça. These were initially left out because Fixit did not want to overwhelm pioneers with complex pipeline management, but they have since been re-added after my impassioned defense of your capabilities. C'est bien de pouvoir limiter les pipelines. Ah, on a moins loin. Ah mais impur, c'est dégueulasse tout ça. Je suis sûr qu'on a dans le coin là-bas. On va s'y rapprocher à pied. Hein. J'ai 8 minutes avant le retour de la capsule. Hein. On va se diriger 4 minutes par là-bas, je suis sûr qu'il y en a. Je suis persuadé du moins qu'il y en a. Si on croise des trucs, hein, écoute, ça fera un peu d'action. Ouais, je me bade avec le scanner aussi de temps en temps. Histoire de dire, bah là, s'il y a une électrolimace ou un truc comme ça. Tiens, au lieu d'avoir deux trucs là. Alors, sphère de mercenaires, j'en ai un à foutre. Pas les oubli. C'est quoi ça? Cotarium, voilà. Champignon, je m'en fous, non, on s'en fout, notre BM, on s'en fout. Électrolimace, allez hop. Hop, tiens, apparemment il y a une électrolimace tout droit. Ah ouais, non, d'accord, je vois le truc. Bon, ça ira bien avec ça une fois qu'on aura le jetpack. Hein. Là, tout en haut. Hop, on va faire un coup de recherche. Si je me trompe pas. Ouais, si, non, j'ai arrêté de dire. Faire des plans sur la comète. Par contre, vraiment. Ah, voilà. Ah, ouais, c'est vraiment plus loin que ce que je pensais. Oh. C'est que du normal. Ah, y'a pas. Ah, y'a un pur et deux normaux. Oh. Que là, si je prends tout, au final, c'est moins loin et il y a peut-être plus de pur. Par contre, comment tu peux avoir du pétrole temporaire? Bon. On va peut-être changer de plan. Tiens, qu'est-ce que je vois là-haut? Ce serait pas une sphère de Mesmer, là? Bon. On en a déjà plein, on sait pas quoi en foutre. Ça doit bien servir à quelque chose, hein, mais... Trollimas, il y en a une dans le coin, là. Là-bas. Ah ouais. On va aller chercher, hein. On va aller chercher. Ah, je reconnais, c'est du poison, ça. Ça risque encore de mal se passer, tout ça. Oh putain, y'en a un autre là. J'ai rien fait, je jure. Ah, ça fait même du bruit. C'est un mesmer, là, on a vu une là, ouais. Là, oui, on s'en fout. Hop. Smerloop, notre beryl. Allez, on va prendre des noix de beryl. Oh la vache. C'est où là? Et on va descendre, tiens. C'est pas très beau. Et on va descendre. C'est par là.
faire. Alors oui, bon, c'est vrai que j'ai. Je me casse vite les jambes, faut pas déconner là. Ouais. Notre béryl, et normalement il y en a dans le coin. Peut-être une question de hauteur. Merde. Voilà. Voilà. Ouais, je change ça aussi un jour. J'étais persuadé qu'il y en avait là de la noix de béryl donc quoi. Voilà. Donc. Ah, il y en a là, non bon. On va voir à 300 mètres là déjà ce qui se passe. T'as la noix de béryl impeccable. Allez, c'est bon, tu vas pas la reprendre en main à chaque fois, c'est bon. Ça c'est quoi? C'est du quartz ça? Peut-être pas. Minerai de fer, ok. J'en ai 200 mètres là, j'en ai un, je comprends pas. Comment il peut être temporaire? Non, vraiment temporaire. On va quand même se méfier là. C'est plus le monstre là. Non, même pas. Impur. Ah, mais ça, je m'en fous qu'il soit impur en soi. Attends, quoi? Il y en a un seul là? Oh, et ils sont vachement éparpillés. Hein. Oh, putain, pourquoi j'ai du temporaire là? Là j'en ai un deuxième impur, je crois. Ok. On va encore faire un coup. Donc là j'ai deux impurs qui font un normal. J'ai deux normaux qui font impur. Et là j'en ai. Oh, j'en ai un pur. Hein. Donc en fait j'ai l'équivalent de production de 2 purs. C'est pas assez hein. Par contre c'est bizarre. Là j'en vois 4 sur la map. Là j'en vois 4 et j'en vois que 3. J'en vois 4 là sur mon radar là, du haut là. Regardez là si... Hop, on le met, attendez. Voilà, 4. Or j'en... Ah si, bah si, ouais, c'est ça. Deux purs. Ce que je peux faire, comme il est moins loin ici, c'est utiliser ceux qui sont là en production, tout ce qui est... caoutchouc, résine, trucs comme ça là. Je vais pas m'enquiquiner et l'autre je ferai vraiment, ce sera de la prod d'énergie à balle quoi. Donc là va falloir que je fasse quand même descendre un petit quelque de chose. Oh merde, là j'ai pas vu les plantes à la con là. Mais ça t'a beau tirer dessus, ça fera rien. Donc, Donc on va faire un chemin qui va descendre. Mais qui va pas descendre comme celui-là. Vu du dessous. moi pas trop comprendre comment ça tient. Hein. Pas mettre des trucs trop lourds. Hein. Tiens. Ouais. Bon. Allez, on va remplir la... On va aller chercher ce qu'il faut pour la phase suivante. Caoutchouc, merde. Plastique, merde. Plastique, caoutchouc. Bon, super. Bon, j'ai rien dit. Non, mais au bout d'un moment, faut s'avouer vaincu. Hein. Donc, on va faire des chemins. On va faire notre trajet, là, hein, tranquille. Et d'ailleurs, je me demande, genre... Ah. Je peux pas, non. Non, c'est pas... On va se casser la goule là. Non. Voilà. Je me demande tiens, si je pourrais pas continuer tout simplement tout droit. Hein. On va partir de là. Hein.
que c'est tout droit là. Sans kikiner, hein. Oh, deux électrolimaces vertes là. Une là, une là. Ah bah, une bleue ici. Oh la vache! Ouais, c'est que l'accès il est pas facile. Hein? Ah putain! Je me disais c'était bizarre, effectivement je me trompais de touche. On va redescendre quand même. Faut déconner au bout d'un moment. C'est bizarre, pourquoi la touche elle est... Ah sur un double rang de 4 mètres. Je me disais le... La pente elle est un peu douce là, à mon goût. Si je me suis trompé de touche. On va aller jusqu'en bas. Et on va se réadapter ensuite, genre par exemple. Je pense qu'un truc comme ça, ça serait pas mal. Oh merde. Ouais, il va falloir que je casse tout ça aussi. Alors. Ici, je fasse une zone de production, ou je sais pas trop quoi. Oh, tiens, électrolimace, je l'ai pas vu. Hein. Ok. Voilà. Ça, ce qui est chiant, c'est quand ça se casse pas comme ça, hein. Ça se trouve... Si ? Oh, génial ! Oh, je savais pas. Oh, j'étais persuadé que c'était un truc en caillou, ça. Écoute. Impeccable. Donc là, on a deux prods de pétrole. Okay. Oh la vache, c'est une cascade, ça ? Mais vient d'où la flotte? Un dieu. Tu peux me dire que ça se passe, ah ouais, voilà. D'accord, ouais, y a deux types. Ok, y en a qui se coupent à la tronçonneuse. Non, même pas. Si. Si, c'est la tronçonneuse, là. Mais son copain à côté, c'est du caillou. Ok, d'accord. Ouais, donc ça, on n'y touche pas quoi. Voyons. Voilà. Ça, je suppose que c'est caillou. Pas du tout. Oh, génial. Parce qu'il il nous aura enquiquiné, lui. Ok. Allez, on va pousser ça jusqu'au bout. Ensuite, voyons voir. Production. Puis. J'ai tout ce qu'il faut. Putain, c'est magnifique. Oh là là, c'est magnifique, j'en ai deux là. Bon, il va m'en falloir un peu plus. Mais en soi, c'est bien. C'est un peu haut. C'est un peu haut, j'aimerais bien foutre la prod là sur ce niveau-là. Plutôt que le mettre à cette hauteur. Je sais pas si je peux vraiment le mettre à cette hauteur un peu partout là. On va voir. Là on est bien. Et jusqu'à où? Jusqu'à... On va voir. À partir de là, c'est pas bon. Donc, à partir de là, je vais être obligé de monter d'un cran. Ah. Ouais, non, effectivement.
Tac, et... Oh. Voilà. Non, ah merde. On va mettre un peu là. Voilà. Voilà. Bon, il restera 2-3 feuilles, mais ça c'est pas très très grave. Ça sera un coup de... passera un coup de débroussailleuse. D'ailleurs, je vais le faire avant le coup de débroussailleuse parce que... Sinon ça va vite me... gêner. Sur les hauteurs. Ils sont pas plus à des hauteurs. Attends, je suis en terre plein. Ah bah oui, je suis en terre complet. Dommage. Bon. On va s'arranger. Faire comme on le pouvoir. Voilà. C'est est-ce que je peux mettre mon puits avec un truc autant en hauteur que ça quoi. Ça me paraît compliqué. Oh ça me... non que dalle. C'est très bien. Ok. Je le mets comment? Je le mets comme ça. Ça fait gagner un peu de place. Oh là, génial. Alors si on peut faire pareil pour le deuxième. Impeccable, oh là là. Magnifique. Et donc là si je regarde, j'en ai un autre là-bas. Il va falloir que j'aille chercher là. Un peu plus chiant lui par contre. Est-ce que je l'avais cherché de là ou de là? Je pense que je vais aller chercher par là-bas. Je sais pas mon kikiné, je vais faire un chemin là-bas. Un 160, il est en... ouais il est vachement contrebas là par contre. Est-ce que je le vois ici? Non. Si, je l'ai vu là-bas. Il est planqué là juste derrière. On va essayer de baisser. Double rampe. Voilà. Si je suis plein. Ah d'accord, c'est un arbre qui n'en est pas vraiment, là, c'est pas grave. Hop. Ah putain, il y a même un truc là-bas, dommage. Ouais, c'est vraiment vénère ça en plus ça. Hein. Trop loin, elle arrive pas à savoir. Oh bah super, écoutez. Même pas eu besoin de... s'en kikiner. Je pense que je peux baisser là, on a un niveau. Hein. Ouais, un pec. Oh, il est large. Je sais pas si je peux le baisser un peu avant. Bon, radio Autriche là. Oh, c'est pas radioactif là, autant pas bon. À partir de là par contre ça va être compliqué. Ah! Voilà. Tac. 1, 2, 3. Suffire.
pas l'air très large. Ok, ça c'est bon. Et le dernier ? Il est par là ? Il est loin ? Si loin que ça ? Oh la vache ! 500 mètres hein, quand même. On va aller chercher. Hein. On va aller chercher. Hein. Après, ça va que c'est plus ou moins plat là, juste tant qu'il y a de l'eau quoi. C'est pas trop passé en plein milieu non plus, ce serait un peu dommage quoi. Voilà. Oula ! Je connais pas ça. Ça, je peux vous dire, les gars, je sais pas du tout ce que c'est. Mais j'ai l'impression que c'est. Vous savez, les plantes là qui envoient des sortes de guêpes là, le con là, chelou là. J'ai l'impression que les. Ah, les guêpes elles sont nombreuses. J'ai joué avec le feu, mine de rien. Putain. Ça. Ça, j'avais pas connaissance de ce truc. Plutôt badass, hein. Faut pas l'embêter, lui. 180... 17 mètres, c'est par là-bas. Ouais, j'ai l'impression que c'est pile à un endroit, là, un peu à la con. Pas bien grave, allez. Et puis tout droit là. Je pense qu'on sera pas très mal. Ah bah impeccable. Ah, c'est pas... Oula. Oh merde. Ah putain, en plus je lag. Ah oui d'accord, oh tu t'es baladé toi. Ok. 1, 2, 3. On va chercher beaucoup plus loin non plus. Mentalement. 1, 2, 3. Et est-ce que je suis bon? Ah non. Se gourer d'endroit. Hein. Non, il est un peu plus en profondeur. Fondation. Une rampe, non, pas la rampe 4 mètres, elle est pas bonne. La rampe 2 mètres, ouais, ça a l'air d'être bon ça. C'est pas très très beau, mais bon. Ça a l'air de passer, hein. C'est vrai, c'est pas une construction à moi, ça. Hein. C'est plutôt beau, ok, ça a l'air plutôt stylé. Voyons, maintenant, ce qu'il me faudrait... Alors, je sais pas si... Je sais pas du tout si c'est faisable. En fait, c'est ça. Mais pour les tuyaux, ça existe, ça. Ça, mais pour tuyaux. Bien. Il y a un coup, on a tendance au passage là quand même parce que
qu'on est passé à travers Joël. C'est pratique, c'est tout droit, mais c'est pas pratique, il y a plein de bordel entre. Des fois, un détour vaut mieux que d'aller tout droit. Et vu que j'ai pas utilisé Waze. Et pour l'anecdote, j'ai jamais utilisé ce truc-là en plus, Waze. Hop, tac, tac, tac. On a notre trajet. C'est vrai que j'aimerais bien faire passer mes pipelines, mais... En fait... Soit je le fais passer vraiment plus haut... Ou alors, je réfléchis. Est-ce que j'ai du tuyau là pour faire un test? Oui, j'ai du tuyau pour faire un test. En fait, le truc c'est, soit j'utilise, oh putain, alors c'est, on va retrouver. Soit j'utilise ça là et je dis ça et j'utilise des tuyaux, mais. Genre genre comme ça là, mais bon, pas terrible quoi. Ah bon, j'y abuse un peu là aussi mais bon, ça passe et voilà. Soit bah, j'utilise le truc bête et méchant, le mur, hein. Et je fais un oui, voilà. Barre de fer. Ah, j'ai pas de barre de fer. Ah, c'est con quand même. Bah, soit je mets des pipelines, enfin, je mets des trous dans les murs, quoi. Mais... Je suis moins fan de ça quoi. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas de. Je vais quand même vérifier au cas où dans les améliorations, etc. S'il n'y a pas un truc comme ça qu'on peut débloquer, parce que. En soi, je trouverais ça super pratique. Bien évidemment, je ferais aussi un hypertube là. Pour y accéder. Parce que s'il n'y a pas d'hypertube, ça va être très vite chiant. Vraiment, ça va être vite chiant. Je crois que je suis un hypertube qui va tout en bas. Un hypertube qui va là-bas. Donc on va quand même regarder dans les améliorations s'il n'y a pas un truc dispo. Non. Après c'est du ferroviaire. Je suis pas fan du ferroviaire en plus. C'est vraiment un oh. Oh, il est plus grand. Oh, c'est bien ça. Je me demande si c'était pas présent. Hein. Je me demande si c'est pas été une demande ça de pouvoir faire des trucs plus grands à une époque. Alors, oui, on voulait voir. J'ai comme souvenir d'avoir vu un stream. Un mec qui avait des. Ça s'ouvrait en fait, c'était pour des hypertubes. Ouais. Bon,
Bah, on verra bien. On verra ce que ça donne. Combien de temps on est d'enregistrement? Presque une heure. Oula. Ouais, bah, je vais faire un peu tout mon bazar là. Je vais ramener les. Je vais ramener tout le pétrole au même endroit. On verra ce que ça donne. En attendant, moi, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. Allez, c'était Tiob. Ciao.